C'est l'heure de la douche. De la douche. C'est l'heure de la douche. De la douche. C'est l'heure quoi? De la douche. C'est tous les jours la douche. Tous les jours. Ferme ta gueule, en deux semaines, t'as pris 2000 abonnés, tu t'es mis en public, tu passes des stories tous les jours et tu voulais lancer un kick. Alors grosse pute, tu vas la fermer, tu me donnes pas des leçons de vie. Moi le buzz, je le prends pas, c'est moi qui le donne. Salope, je travaille tous les jours pour faire du contenu. Et c'est pas la pute de comptable qui va me dire quoi faire. Le premier, on verra si kick est là. Je te signale que t'as que 15 ans, gros. Tout peut arriver dans la vie. Qui rira le dernier, qui rira le premier. Je crois qu'ils ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils blabla. Je mets la vodka dans le fer. Ce soir je finis rabat à l'ancienne sa rue Cali. Maintenant quand il faut parler, je veux pas trop m'étaler. Je te fais danser, couper des calliers. Je me levais tôt, je coupais, je détaillais. Je la vendais au paillot. Elle a le regard qu'à la Chnikov. Elle sait pas comment je la love. Elle a que mon place au bout des lèvres. Au charbon juste pour des loves. Parano, tu m'emmènes déjà, je te dis c'est qui ça. Bah ouais, il est raciste, ouais. Hein. Vous avez dit que mon pote est raciste. Hein. Bah ouais, il est raciste. Hein. Vous avez dit que mon pote est raciste. Hein. Bah ouais, il est raciste. C'est un putain de raciste. Regardez sa moustache de raciste. Hein. Je zoome un peu sur sa tête. Regardez comme il est raciste. Ouais. Moi c'est JP, je suis un race là. Nique ta race. J'aime pas les arbres, et je suis un gros raciste. Regardez mes grosses lunettes. Un gros raciste, je traîne avec sa fine malgré moi. Si je pouvais, je le renvoyerais chez lui. Ouais, la CJP, sa fine, retourne dans ton pays. Ouais, je suis un putain de raciste. Ouais. Je m'appelle JP, je suis un putain de raciste. Et parez-vous chez vous. Moi, je veux ma terre. C'est chez moi ici. Je suis de Metz. Ouais. Attends. Oh non. Attends deux secondes. Quoi? On t'entend double. Tu peux couper le live derrière toi? Mais moi, c'est déjà fait. Je suis sur un autre appareil. C'est bon. Ah, t'es une fille. Oui. Ah ouais, t'as quel âge? J'en ai 16 par contre. Mais nique ta mère, la pute. Mais qu'est-ce que tu prends ici? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'as 16 ans, qu'est-ce que tu fais dans une radio love pour draguer un mec de 44 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Mais moi j'étais là tranquille, je m'en fous. Mais frère, t'es pas bien. Mais nique ta mère, mec, pas casse-toi d'ici, sale pute. Mais c'est une malade. C'est réglé, gros. Mais c'est une malade. Elle veut que je sois en prison. Je perds tranquille. Non, y'a des enfants. Y'a des enfants. Je prends pas les coups. Laisse-le. Je suis trop fou. Vas-y, déjà qu'on voit tes tétons de dos. Vas-y. Non, vas-y, lève. Celui qui suce des bites. Ferme ta gueule. Vas-y, des bites, mais moi j'ai un corps. Tu vois rien, putain, c'est qui ça? C'est qui? Mais lâche-moi, j'ai rien fait moi. C'est pas moi. Mais lâche-moi là, wesh. Je vois rien, putain. Qu'est-ce qu'il va. Tu veux quand t'es bourré, t'es trop drôle. Les gars, le premier, on verra si qui est là. Je te signale que t'as que 15 ans, gros. Tout peut arriver dans la vie. Qui rira le dernier, qui rira le premier. C'est ta mère. C'est ta mère, moi. Attendez, je passe un col. Oh, le monsieur est plutôt alcoolisé. Déjà, t'as pas crédit. Oh, ta gueule, là. Arrête-toi, s'il te plaît! Aide-moi! Moi, je t'aide! Non, lui mets la balance, là!
On l'a tous vu la photo d'Anaïs avec vraiment les grosses loches d'Anaïs, on la soulève bien comme il faut la chaudasse. Bormanov, t'as perdu la bagarre. J'ai quitté depuis toi, je supporte plein contre ton coucou pour coucou et blessure, bâtard. Voilà. T'as bien tenu ta. Putain, unifiez vos mots. Vous allez bien? Ça va, nickel, hein. T'as dit quoi? Alhamdulillah. De quoi? Oh frérot. Accordez les guitares. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Non, est-ce qu'on s'est dit? Ta gueule, en 2 semaines, t'as pris 2000 abonnés, tu t'es mis en public, tu passes des stories tous les jours et tu voulais lancer un kick. Alors, grosse pute, tu vas la fermer, tu me donnes pas des leçons de vie. Moi, le buzz, je le prends pas, c'est moi qui le donne. Salope, je travaille tous les jours pour faire du contenu et c'est pas la pute de comptable qui va me dire quoi faire. Tu comprends? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! On t'a assez entendu? Tu la fermes ta gueule! Donne pas des leçons, t'es personne! Si t'es comptable, regarde le nombre de viewers et ferme ta gueule. Et compte-les. Et compte-les. Tu comprends? Compte-les. C'est l'heure de la douche. De la douche. C'est l'heure de la douche. De la douche. C'est l'heure quoi? De la douche. C'est tous les jours la douche. Tous les jours. Tous les jours la douche. Tous les jours la douche. C'est tous les jours la douche. Tous les jours. Vas-y, vite ta mère. Voilà, vite tes gros mères. Allez. Non mais là il t'abuse par contre. Oh le acting Oh là là. Viens essayer. Mais quel acting ta mère la pute. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est vulgaire ce petit. Ferme ta gueule sur ton cul frère, tu la défends. Ferme ta gueule. T'as mal. J'ai mal au cul. On va tout jeter d'un coup. Quoi? Faut que tu jettes. Quoi? Salut? Ça va? Oh, elle a les mêmes dents que ça. Ça va? Mais arrête de rigoler! C'est un move! Excuse-moi! C'est un move que j'ai travaillé. Là, on n'a rien à faire. On bat les coups. Je peux ou? Un move, je te montre un move. Hey, monsieur, moi j'ai juste une question s'il vous plaît. Attends, je vais montrer un move. Vas-y. Ah, je le travaille. Je le travaille depuis que j'ai 7 ans et demi. Regarde, écoute. Ouais, Ona, c'est vrai ce move, regardez. Mais c'est pas beau. C'est mais tu sais pas faire. La danse, ça doit pas être forcé, t'as compris ça? Regarde. Regarde comme c'est pas forcé. Regarde, tu fais ça. Ouais. Et tu fais ça. Tu peux
Wow, wow, faites attention, il y a des gens. Moi aussi, je vais faire ça. Ouais, mais... Tiens, s'il te plaît. D'accord. Tiens, s'il te plaît. Mais qui sait pas faire ça, ouais, j'ai 21 ans. Mais ça va être lourd. Je fais même un sapoir. Ça va ressembler à une patate. C'est une patate, ce qui est pas. Comment c'est une patate? C'est pas souple. Mais toi, c'était une frite. Ah ouais? Ouais. Excuse-moi. C'est pas souple. Mais tu t'es lui, t'as que de la bouche. Wow. Non, non. Mais tu vas te faire mal, arrête. Mais rends-lui ses pitchs, bordel de merde! Rends-lui ses pitchs! Vas-y, donne-lui les pitchs, s'il te plaît! Rends-moi mes pitchs, là, D'abord, je veux mes pitchs. Vas-y, je te les récupère. C'est pas tout là. Oh, wow! Ferme ta gueule, sur notre pitch. Tu tapes pas mon pote! JP, tu m'as insulté pour rien. Sans Naruto et sa fine, tu serais toujours au même stade qu'à l'époque. Faut arrêter d'insulter pour zéro raison. Elle m'a brûlé, frère. JP ! Quoi ? Je veux pas les mots là ! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Pas de pitch. Plus de clopes, sa fine. Donne-moi mes pitchs. Vas-y, donne-moi mes pitchs. Pas tes pitchs là. Kipé! C'est le quoi? Plus, j'ai rien fait. Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Pas de pitch, pas de clope. Une minute de silence pour la mère de JP qui s'est fait détrailler hier soir par sa fille. R.I. Regarde. C'est quoi? Je l'ai! Oh la vaine, boire ça! Putain! Pour ma maman, arrête! JP, c'est quoi ces bruits, bordel? Mais JP, où, Vendor Live? Je rentre, JP, je rentre. Ok les gars, on se la regarde. On se la re-regarde. Attends. Ah non. Allez, c'est là. On se la re-regarde. Oh, j'ai pas demandé un plombier, hein. Blouzard, je vais quitter ta mère, Blouzard. Elle est où, bitch? Vas-y, où, bitch? Eh, vas-y, lâche. Elle est où, bitch? Je vais t'enculer, moi. Elle est où, bitch? Non, non, pas dans ton ami. J'ai quelque chose à vous avouer, ça tourne autour depuis un certain temps, je suis PD. Voilà. Et toi? Bon les gars, c'est un truc à vous avouer, vous savez déjà, hein. Ouais, bah je suis gay, et puis alors ça fait quoi? AAAAAAH! Ah 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 on t'a niqué! On t'a niqué! Fils de pute! Fils de pute! Champion du monde! Fils de pute! Ouais! On l'a dans la boîte! Dans la boîte! Enlève-le-moi! Bon, les femmes de mon chat, du chat d'ailleurs, je sais pas, qui passe, bon, venez sur mon Discord, on va discuter, et plus il y a affinité, quoi. Voilà. Bisous. Mais c'est quoi?
Mais c'est quoi, c'est... On dirait un agresseur sexuel. Les femmes, si vous passez par là, venez, venez sur mon Discord, je vais vous envoyer ma bite. Allez, les femmes qui sont sur mon Discord, n'hésitez pas à passer, on va se la démonter au pastis, après je te démonte le cul, tu peux passer. Les nanas, venez dans mon appartement lugubre, on va s'échanger une petite discussion et une petite partouze. Et en plus avec mes collègues, on fume la clope, on fait pas de douche et on t'encule. Cette salopée, viens là sur le Discord. Viens, ramène ton cul sur le Discord. Les filles, si vous passez par là, venez dans ma cave, mais avant de rentrer, déshabillez-vous, vous avez... Ferme ta gueule, on comprend rien. Nique ta mère. Et vas-y, je perds mon sang-froid, frère. J'ai non, tu t'affiches. Frère, t'es sourd aux mes gueules à minuit 19, grosse pute. Grosse pute. Non, pas vous. Non. Ouais. Oh, ça va pour ce vol. Elle va niquer ta mère, rase les buts. C'était petit et tout. Non. Monte ta tête, bâtard. D'une quarantaine d'années, se lance dans le streaming et abandonne la vie active. Sous le pseudo de Jean Pormanov, alias JP. À première vue, ce streamer ne paie pas de mine. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, Jean Pormanov est doté d'un potentiel extraordinaire dans le divertissement. Pourquoi ? Car cet homme est capable de s'énerver de manière involontaire pour n'importe quoi et avec n'importe qui. Grâce à son ami Owen, JP fait la rencontre avec le célèbre streamer The Kairi 78. En un stream avec TK78, JP se fait directement remarquer grâce à ses réactions très atypiques. À partir de ce moment-là, tout va très vite pour JP. Ses stats sont en constante augmentation et il commence à mieux vivre de sa vie. Sans doute à cause de l'argent et de sa popularité, JP effectue quelques débordements. Malheureusement pour JP, son collaborateur TK78 est frappé de plein fouet par un énorme drama. Accompagné de ses amis les plus chers Safin et Owen, notre vieil homme doit envisager de continuer seul pour le bien de sa carrière. Étant une personne reconnaissante, JP n'oublie pas la personne qui l'a énormément aidé dans le monde du streaming. Par la suite, Jean Pormanov décide de s'installer avec ses deux amis. Un nouvel arc commence. Ce trio très soudé fait très rapidement sa place sur Twitch. Avec le retour de TK78 et son ami BKH, un projet fait son apparition. En effet, ce groupe de streamers prennent la responsabilité d'emménager dans une villa. Pour des raisons diverses, cette aventure ne fut pas un réel succès. Apparemment, plusieurs tensions n'ont pas arrangé la chose. Malgré la détermination, le trio se doit de quitter en dernier la villa. Une pause s'impose, nos trois amis doivent réfléchir et se concentrer sur eux-mêmes. Ayant le statut de dirigeant, Naruto se sent enfin prêt pour relancer la marchandise et repartir sur de bonnes bases. Ils payent un petit logement et s'achètent du matériel complémentaire avec les fonds qui leur restaient. La machine est lancée. Le nombre de viewers augmente de plus en plus. 1000, 2000, 3000, etc. Un léger problème rentre en compte, le groupe est constamment forcé de se retenir à cause des règles de Twitch. JP, Naruto et Safin décident officiellement de streamer exclusivement sur la plateforme Kick. C'est très osé, mais ça fonctionne à merveille. 6000, 7000, 8000, 9000. Et nous voilà en août 2023. Et les streams de la chaîne Jean Pormanov sont à plus de 10 000 viewers. Je tiens quand même à souligner que ces trois personnes remplies de talent ont tous eu un rôle très important dans la réussite de la chaîne. La folie de Safin, la discipline de Naruto et le naturel de JP forment un groupe qui restera dans la mémoire de beaucoup de personnes. Emilie 69, JPI me rappelle YouTube à la bite.
et pouvoir se dépuceler sans devoir payer. Mais oui, c'est Chico, il pourra juste arriver. J'y paierai de vivre vite tard par Bella. On payait le prix d'un paquet de Marlboro. C'est payer des putes et les appeler ma Bella. Vu t'es Chico, ta vie tu l'as fini solo. JP, je sais que tu penses que je suis trop en solo. Mais c'est pas de ma faute et j'ai baisé ta maman. Elle m'a dit qu'elle en a marre de voir tes cadeaux. Vu tout ce que tu fais, y'en a plus dans mon dos. T'es Chico, dans moins d'un an, elles seront pas là, là. Tu fumais beaucoup trop, elles ont fait la malade. T'es Chico, dans moins d'un an, elles seront pas là, là. Tu fumais beaucoup trop, elles ont fait la malade. JP avait un rêve, c'était des nouvelles Chico. T'auras Emily seulement quand t'auras pété le Mili. Si tu pètes pas le Mili, c'est Mario qui te cassera le dos. Vu ton expérience, on ne pense pas que tu seras bon au lit. JP, c'est un vrai bon alécho. On a tous ce qu'il avait l'écho. Mais bon, c'est un peu compliqué. Il reste que Chico.